Les félins dont la robe est plus sophistiquée vivent généralement dans la jungle ou dans la forêt. Le guépard fait mystérieusement exception à cette règle. La magnifique robe tachetée de ce chasseur diurne déconcerte les scientifiques. Le pelage du super félin devra être un chef-d'œuvre de camouflage. Reste à choisir entre taches ou rayures. Le tigre est le seul à avoir une robe rayée. La plupart des autres félins sont tachetés. Hélas, les êtres humains ont la fâcheuse tendance à convoiter ce qu'ils admirent, et les tigres sont devenus les victimes de leur propre beauté. Néanmoins, il existe une autre possibilité qui pourrait s'avérer plus judicieuse, surtout pour chasser la nuit. Un pelage noir comme celui de la panthère. Une panthère noire, ça n'existe pas. Ce que les gens appellent une panthère noire, c'est très souvent un félin atteint de mélanisme, un léopard, un jaguar ou un puma. Voici Bajon, un léopard noir. C'est un léopard mélanistique. Son pelage est tellement foncé qu'il paraît noir. Mais si on regarde de près, on voit qu'il s'agit quand même d'un léopard tacheté. Le mélanisme est dû à un double gène récessif. Il est donc programmé tout comme la couleur des cheveux chez l'être humain. Jusqu'ici, les scientifiques ont répertorié le mélanisme chez au moins 15 espèces de félins. Ce que ça nous dit, c'est que le mélanisme est potentiellement bénéfique pour ces espèces. Peut-être pour chasser ou pour se reproduire, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que lorsqu'un gène évolue et perdure chez une espèce, c'est qu'il présente un avantage pour elle. Les recherches suggèrent que le gène déterminant le pelage noir est bénéfique, car il rend les individus dont la robe est noire plus résistants aux infections virales. C'est sans doute ce qui explique qu'il y ait davantage de léopards noirs dans les régions ayant connu une épidémie récente, comme Java ou la Malaisie.